Bien, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'avoir... Madame, excusez-moi, on a un petit peu de retard. Non, mais s'il te plaît, non, c'est pas possible. Vous savez quel jour on est, madame? Ben, bien sûr, on est le 21 mars. On est le 21 mars 1917. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose, madame? C'est vraiment important. Allez. Thank you.
Guerre de Bosnie-Herzégovine. Guerre de Cent Ans. Guerre de Sécession. Guerre froide. Seconde Guerre mondiale. Guerre de Cent Ans. Guerre de Sécession. Guerre d'Afghanistan. Révolution russe. Guerre en Syrie. Guerre d'Algérie. Guerre de Bosnie-Herzégovine. Guerre du Vietnam. Voici l'histoire de mon grand-père. Je m'appelle Roland Aubry, jeune déporté. J'ai lutté dans la clandestinité pour défendre mes intérêts et ceux de ma famille. En donnant mon adhésion au MJD, Mouvement Jeunes Déportés, je m'engage à maintenir, dans la liberté retrouvée, la fraternité des deux l'exil. Je participe au programme de défense et d'éducation des jeunes déportés, entre eux, par eux, pour eux. Ensemble, nous préparons au pays les chefs de guerre et militants ouvriers qui l'attendent. C'est l'histoire de mon grand-père, Jean Puyot. Il avait 7 ans. Un jour, il m'a raconté. Un beau matin de 40, j'entendis un camion arriver. Les Allemands étaient là. Ils entrèrent chez nous, sans rien dire, et investirent les lieux. À présent, le lieu que je haïssais le plus était le plus sécurisé, l'école. Ils restèrent 2 mois, et un matin, ils repartirent, menant la terreur avec eux. Je fus déporté français. Les Allemands sont venus me chercher, m'arracher à ma famille à mes 18 ans, pour m'emmener au STO. Je devins esclave, forcé à fabriquer des armes pour l'ennemi. Je ne mangeais presque plus rien. J'étais faible, sans force, sans énergie. Le dimanche, on nous autorisait à aller à l'église. Ce dimanche-là, comme les autres, j'allais prier. Je priais pour moi, pour ma famille. Je priais pour que cela cesse. Je priais pour pouvoir rentrer chez moi. À la fin de ma prière, je sortis de l'église. Un drame avait eu lieu. L'usine où je travaillais avait explosé. Je m'appelle Albert Marchal. Je suis soldat sur le sol d'Algérie en 1961. Aujourd'hui, 7 septembre 1961, nous marchons dans le désert. Clic, je marche sur une ligne. Personne ne bouge. Tout le monde s'arrête. Tout le monde se regarde. Après quelques secondes, semblables à des années, je suis enfin libéré. La mine désamorcée. Durant cette guerre sans pitié, mon arrière-grand-père, Jean Fauconnier, fut préfet. Sa femme et lui eurent très peur. Mais à cause de quel malheur? Furent-ils attaqués, arrêtés ou bien traqués? Je ne le sais. Tout leur passé, je l'ignore, mais au fond, j'espère encore. Quand je me prends à y penser, j'espère qu'ils n'ont pas collaboré. Je m'appelle Pays, je suis bosniaque. J'ai fait la guerre fratricide. J'habitais ce pays avec ma femme. Mes enfants étaient jeunes et insouciants. Obligés de partir à la guerre, être aux côtés de mon pays, recevoir des coups de fouet, mourir pour défendre notre fierté. Une attente interminable pour nos proches. Puis un beau jour, les retrouvailles, une joie infinie, indescriptible. La maison détruite, un départ imminent. Partir pour la France, pays d'accueil, et y construire un nouvel avenir. Vivons-nous dans un monde où il existe la paix, celle qui est censée régner? Où se cache-t-elle, derrière la violence et la haine constante entre les hommes? Nous n'avons pas cette paix ancrée en nous, ce qui rajoute mort, blessé tous les jours. Essayons d'arrêter cette violence et de faire de ce monde un monde en paix.